Everyone to the September meeting of Moore Heights Council. Thank you for coming out in such a great number. Is there anyone here that does not speak French? Tout le monde parle français, c'est bien. Donc on va faire la réunion en français. S'il y a des questions en anglais, gênez-vous pas. I'll answer all the English questions at the end. Thank you. Donc, on va prendre un repas. On prend ça puis on va passer. Donc, membre du conseil, vous avez eu connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? J'aimerais retirer le point, M. Lépine, concernant le, je pensais le 111, place que tu dis. Oui, article 8.4.4. On va retirer cet article-là, c'était concernant le, la dérogation mineure. On va l'étudier au niveau du conseil avant le mois prochain. Merci. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour en enlevant l'article 8.4? Je le propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2022. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal, ceux qui étaient là? Oui. Y a-t-il des corrections? Non. Ça va? Je propose. Madame Cossette propose l'adoption, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 23 août. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des questions, commentaires? Non. Non. Qui propose l'adoption? Je propose. Madame. Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 3.3, procès-verbal de la séance extraordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 6 septembre. Avec les connaissances du procès-verbal, y a-t-il des questions? Je propose. Le meilleur propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, M. Lépine, c'est pour dépôt. Oui. Également, le 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Membre du conseil, y a-t-il des questions? Non. 5.1, voie de haute dépense. Monsieur Lemire. J'ai revu le port de haute dépense pour la période du 1er au 31 août 2022, qui s'élève à 1 591 921. Et donc, comment vous l'avez reçu? Parfait. Donc, dans ce conseil, il y a des questions sur les comptes. C'est bon. Donc, recommandé par Monsieur Lemire, tout le monde est d'accord? Oui. 5.2, état des activités financières. Alors, on arrive très tranquillement, complète le troisième trimestre de l'exercice financier. On va bientôt entrer dans le quatrième trimestre. Jusqu'à présent, les budgets prévus pour 2022 sont suivis par l'ensemble des services municipaux. On va évidemment, cependant, surveiller attentivement des aspects particuliers liés au coût du carburant là, qui a augmenté de façon assez importante et qui occasionne des dépenses additionnelles pour la municipalité. Et on va également surveiller la fin de l'exercice financier si par hasard il y avait des imprévus. Et en temps et lieu, si la fin de l'exercice financier, on verra financer la portion de la municipalité liée aux dépenses conséquentes à la tempête du 21 mai dernier. Donc, on devrait, si tout va bien et la tendance se maintient, arriver avec un léger surplus à la fin de l'exercice, si on continue pour le même niveau. 5.4.1, création et nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Oui, cette résolution qui vous est soumise vise à faire suite au plus récent changement législatif adopté par l'Assemblée nationale du Québec en 2021 par l'adoption du projet de loi 64, qui était une réforme du cadre législatif de la loi sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels. Et parmi les modifications qui ont été adoptées donc par le législateur, il y a l'obligation dorénavant de créer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. C'est l'objet de cette résolution, et de même que de nommer les membres de ce comité.
À savoir M. Hugo Lépine, Mme Louise Atkinson, Mme Martine Major et Mme Linda Zinkevich. Parfait. Qui propose la nomination des membres du comité? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.4.2, désignation du directeur général à titre de responsable de l'accès à l'information et responsable de la protection des renseignements personnels. Monsieur le Donc, depuis plusieurs années, le directeur général s'est vu déléguer la responsabilité de l'accès à l'information tel que c'est permis par la loi. Maintenant, suite à la loi dont je viens de vous faire mention, s'est ajoutée également la très lourde responsabilité de la protection des renseignements personnels. Donc, le titre est allongé là, de responsable de l'accès à l'information à responsable de l'accès à l'information et responsable de la protection des renseignements personnels. La résolution qui vous est soumise vise à nommer le directeur général donc, à cette responsabilité additionnelle. Merci. Qui propose de nommer M. Lépine comme responsable de l'accès aux documents et responsable de la protection des renseignements personnels? M. Lépine propose. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.3. Adoption de la politique de protection des renseignements personnels et de traitement des plaintes. Alors, on est toujours dans la foulée de cette réforme dont je viens encore une fois de vous parler. Cette fois-ci, avec l'obligation de permettre à la municipalité de remplir l'obligation dans la loi d'adopter une politique de protection des renseignements personnels et de traitement des plaintes. Donc, qui propose d'adopter la politique? Mme Patineau propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.4, adoption politique de confidentialité. Oui. Alors, on poursuit donc avec une politique de confidentialité qui, au-delà du fait qu'elle est imposée dorénavant par la loi sur l'accès aux documents, va être également très utile dans la mesure où la municipalité s'est beaucoup modernisée là, et utilise de plus en plus les moyens numériques pour interagir avec les citoyens. Donc, ça vient également combler un vide. Il n'y avait pas à la municipalité de politique officielle de confidentialité. Parfait. Qui propose d'adopter la politique de protection des renseignements personnels? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.5, vote et affectation de crédits supplémentaires de 1241,73 $ pour la distribution publique de compost et virement en conséquence de la réserve financière de la gestion des matières résiduelles au fonds général. Donc, c'est une réaffectation qui a été faite puisqu'on n'avait pas prévu de faire une distribution de compost quand on a fait la distribution de copeaux à Seymour Lands. Donc, qui propose le virement? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, rapport mensuel de M. Bernard, le directeur de service incendie. Y a-t-il des questions? On n'a pas reçu le rapport de la Sûreté du Québec. Et là, on va faire des abrogations de plusieurs règlements. Les abrogations, c'est comme une annulation de vieux règlements qui ne sont plus à jour. Ils ont été remplacés par d'autres règlements. Donc, le premier, 6.4.1, l'abrogation de la procédure relative à l'aménagement des prises d'eau pour la lutte contre les incendies. Oui, alors cette procédure avait été adoptée par le conseil municipal en 2002. Elle est caduque parce que depuis le temps, il y a des schémas de couverture de risque en sécurité incendie qui ont été adoptés. Il y a des plans d'action qui se sont mis en place. J'ai eu l'occasion de revoir cette procédure avec le directeur de la sécurité incendie. Et nous confirmons qu'elle n'a plus de pertinence. Recommandation vous est donc faite de l'abroger. Merci. Qui propose d'abroger la procédure? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 6.4.2, création et nomination des représentants de l'employeur au comité de santé, sécurité ou travail. Ici, on fait suite à une autre réforme, cette fois-ci dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, réforme adoptée en 2021. Par l'Assemblée nationale du Québec, par le projet de loi 59, qui inclut dorénavant l'obligation de créer un comité de santé et de sécurité au travail. Auparavant, c'était facultatif, donc l'effet de la nouvelle loi, c'est de rendre le tout obligatoire. L'objet de la résolution, faire création officielle du comité ici à Seymour Lands et de nommer les représentants de l'employeur.
étant entendu que les représentants des employés seront nommés par les employés eux-mêmes ou par le biais de leur syndicat. C'est bien. Donc, qui propose de nommer? Pardon, je propose. On va nommer M. Hugo Lépine, M. Michel Grenier et M. Patrick Marie à notre comité de santé et sécurité. Merci, Mme. 7.1, rapport mensuel du directeur de l'État public. Y a-t-il des questions? Aucune question. 7.2.1, entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de luminaire, luminaire de rue Dell, avec Service Connect pour le bénéfice des municipalités. Monsieur Lépine. Oui, alors, cette résolution vise à permettre à la municipalité de joindre l'entente avec la Fédération québécoise des municipalités afin de pouvoir avoir accès à un programme en fait de financement et d'incitatif pour convertir les luminaires des municipalités à la technologie Dell. Donc, résolution pour permettre la signature de cette entente-là. Et par la suite, ben, il y aura des études là, de faisabilité, des études préliminaires sur ce que ce projet-là impliquerait pour la municipalité et ces frais-là, là, c'est sans frais en fait pour la municipalité à ce stade-là. Donc, le but ultime, c'est de faire comme une recommandation du Conseil à l'environnement, c'est de changer nos lumières au sodium, de lumières au DEL, des économies d'énergie. Et puis, on a spécifié, M. Saunier a spécifié, puis je pense qu'il a bien raison. On va prendre des lumières jaunes et non blanches, qui pourraient être beaucoup moins au niveau des nouveaux lumières. Donc, l'idée, c'est à moyen terme de changer toutes ces lumières-là. Puis, on a un avantage d'y aller avec la FQM parce que c'est un achat regroupé à ce niveau-là. Donc, proposé par M. Sony. Proposé par moi. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2.2, travaux de mise aux normes de la rue Forgette. Monsieur. Oui. Alors, en février dernier, le Conseil a autorisé un projet de développement le long de la rue Forget. Et c'est le développement de la rue Paradis. Et en conséquence, avait autorisé la réouverture conditionnelle de la rue Forget. Et la condition donc pour la réouverture de cette rue, c'était que le promoteur immobilier s'engage à défrayer tous les coûts de mise aux normes de ce chemin là, qui a quand même quelques années là, d'existence. Alors, évidemment, l'évaluation des coûts liés à ces travaux-là a été réalisée suivant les termes de l'entente qui était intervenue avec le promoteur. Le promoteur est prêt à procéder, mais évidemment, pour pouvoir réaliser des travaux sur un chemin public qui est la rue Forget, ça prend l'autorisation du conseil municipal, ce qui est l'objet de la résolution. Donc, qui propose de mandater le promoteur afin d'effectuer l'ensemble des travaux requis à sa charge, suivant les conditions énoncées dans la résolution du Conseil 5202-22? Monsieur Lemay propose, tout le monde est d'accord? On dit aux gens aussi. Merci. On dit aux gens aussi, la rue Forget. Oui, la rue Forget. Pour ceux qui ne savent pas, la rue Forget, c'est pas loin du chemin Kilpatrick sur la 329. Pas loin de là. 7.2.3, contrat approvisionnement à sel pour l'hiver 2022-2023. Oui, alors la municipalité, comme c'est le cas annuellement, a procédé à un appel d'offres sur invitation, conformément au règlement sur la gestion contractuelle, et a invité les entreprises suivantes à présenter une soumission de la fourniture de sel comme fondant, donc Compass Minerals Canada, Sel Cargill, Lafarge North America, Sel du Nord, Sel Warwick, Excavation Jean Miller et Mines Sedaine. La municipalité a reçu des offres des entreprises suivantes pour la livraison de 400 tonnes, jusqu'à 400 tonnes métriques. Donc, Sel du Nord a soumis un prix de 58 868 $, les taxes incluses dans tous les cas. Sel Warwick à 49 668 $. Et Compass Minerals à 47 636 $. Donc, recommandation vous est faite d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme Compass Minerals pour 103 $59 la tonne métrique, une dépense d'environ 47 636 $, taxes incluses. Merci. Qui propose le poids du contrat au plus bas soumissionnaire pour le CERN? Je propose. Mme Nicolas propose. Vous êtes d'accord? Oui. À ce moment-ci, j'aimerais ça passer la réunion à Mme Louise Cossette, qui est la mairesse suppléante, puisque la résolution
comporte la compagnie pour lesquelles que je travaille, David Bruno, etc. Alors, 6.2.4, le contrat d'approvisionnement en sable pour l'hiver 2022-2023. Alors, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation et a invité les entreprises suivantes à présenter leur soumission pour la fourniture de sable pour l'hiver 2022-2023, David Riddle Excavation et Transport, Excavation Jean Miller Incorporé, Beauval Sable LG et Lafarge North America. Alors, considérant que la municipalité a reçu l'offre suivante, c'est-à-dire David Riddle Excavation et Transport, donc une seule soumission, au prix de 90 495 $ taxes incluses. Considérant que les crédits suffisants sont prévus au budget 2022, alors il est résolu de procéder à l'adjudication d'un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, alors David Riddle Excavation Transport, au prix avant-taxe de $17.50 la tonne métrique pour le sable et $1.35 la tonne métrique pour la mise en réserve, pour un total de $97 425, taxes incluses, pour l'ensemble du contrat. Que le soumissionnaire soit avisé que le résultat d'une granulométrie conforme doit être soumis à l'administration avant le 18 septembre, faute de quoi la soumission sera jugée non conforme et rejetée. Que le prélèvement des échantillons de gravier devra être fait en présence d'un représentant de la municipalité. Que le service des travaux publics et des infrastructures soit autorisé dès le 22 septembre 2022, à recourir au service du second soumissionnaire, à défaut pour le soumissionnaire retenu de se conformer à la présente résolution. Lui, il n'y en a pas de second. OK. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Moi, je propose. Alors, Mme Éclair propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Merci. On va aller à 7.1, une autre abrogation, procédure concernant les demandes de branchement au réseau d'eau potable. Oui, alors, cette procédure de demande de branchement au réseau d'eau potable existe depuis 2015. Elle n'est plus requise depuis la réorganisation administrative décrétée en 2019. Et concrètement, c'est parce qu'on a deux services municipaux impliqués dans ce genre de dossier qui travaillent de façon beaucoup plus constructive et structurée ensemble. Recommandation vous est faite d'abroger cette procédure. Qui propose d'abroger la procédure? Je propose. Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes des requêtes, c'est pour le dépôt, en ce conseil, il y a des questions. 7.6.1, adoption règlement 651-2022 pour voyant financement de l'acquisition et de l'installation du mobilier urbain dans le noyau villageois et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lévin. Oui. Alors, donc, règlement d'emprunt au montant de $810 500, donc, qui vise à financer des travaux, l'acquisition et l'installation de mobilier urbain dans le noyau des villageois, suivant, évidemment, des modalités là, à préciser un petit peu plus tard. On comprend que sur le $810 500, il y a une subvention du gouvernement fédéral à hauteur de $506 892, c'est la différence qui sera refilée aux contribuables de l'ensemble de la municipalité. C'est un règlement d'emprunt remboursable sur une période de 15 ans. Juste pour informer un peu les gens dans la salle, on passe ces résolutions-là tout de suite pour ne pas perdre la subvention, mais les aménagements ne sont pas décidés encore. Ça va être fait en coordination avec le conseil, le CCU, puis le comité du renouveau villageois. Avec qui on a travaillé. Et il y a plusieurs options qui sont sur la table, les lampadaires, on parle de trottoirs, peut-être d'enfouissement de fil électrique, il y a toutes sortes d'options qui sont sur la table pour améliorer la rue principale. Ça va faire partie de ça. Donc, l'avis de motion avait été donné par M. Saunier. Est-ce que vous proposez? Je propose. Merci. Vous proposez par M. Saunier, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. 7.6.2, abrogation, une autre procédure. On est en train de vider toutes les filières de la municipalité. Monsieur Lécoute, tranquillement, il va les vider parce qu'attends, on est plus de abrogation, procédure concernant les travaux de déversement dans les chaussées ou les rues, l'entreposage sur la voie publique et autres usages non autorisés dans les emprises de rue. Bien, tout simplement pour vous dire que depuis l'adoption de cette procédure, bien évidemment, il y a un règlement qui régit l'occupation des immeubles municipaux d'une part
Et d'autre part, il y a eu adoption d'un règlement sur les nuisances qui contient des dispositions qui règlent des questions qui sont abordées à l'intérieur de cette procédure, ce qui la rend caduque. Donc, recommandation de l'abroger. Donc, qui propose d'abroger la procédure? Je propose. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 763, contrat acquisition d'une camionnette neuve. Monsieur Lépine. Oui. Alors, besoin, évidemment, on vise ici à combler des besoins de municipalité en matière de véhicules, de services de travaux publics, d'infrastructures. Dans ce cas-ci, ça vise à remplacer une location qui s'étendait sur une période assez importante et compte tenu des coûts de location, on a réalisé qu'il en coûterait, il reviendrait un coût moins dispendieux de procéder à l'acquisition d'une camionnette neuve plutôt que de poursuivre la location mensuelle. En conséquence, donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation le 17 août 2022 dernier auprès de trois fournisseurs potentiels. La municipalité a reçu une seule soumission dans les délais prescrits par le devis, soit celle de Les Sommets Chevrolet Buick GMC pour 80 261,75 $ sans option et 91 556 $ avec les options. Recommandation vous est faite de procéder à l'acquisition, là, puisque la soumission est conforme au devis avec les options. C'est incroyablement cher, hein, mais on a besoin du camion, ça va coûter moins cher de louer. Donc, qui propose l'achat? Le maire propose. On est d'accord? Malheureusement, c'est cher. Les options, on avait sans option, il n'y avait pas d'option. On demande tout le temps. Oui. À ce moment-ci, encore, je vais passer la réunion à Mme Cossette, même si ce n'est pas l'entreprise qui va avoir le contrat. Là. J'aime mieux être plus sécuritaire. Donc, Mme Cossette, si vous voulez prendre la réunion. D'accord. Alors, 7.6.4, contrat service de transport de BRAC, paillis résiduel, tempête du 21 mai 2022. Donc, considérant que la tempête du 21 mai 2022 a causé plusieurs dommages et que plusieurs arbres sont tombés ou ont dû être abattus parce que sérieusement endommagés, attendu que le maire, en vertu des pouvoirs lui étant conférés par l'article 42 de la loi sur la sécurité civile, a décrété le 23 mai l'état d'urgence locale pour une période de 48 heures. Attendu que le coordonnateur des mesures d'urgence a adjugé un contrat de collecte, de transport et de déchiquetage des branches sur l'ensemble du territoire suite à la tempête du 21 mai. Attendu qu'il y a maintenant lieu de disposer du paillis ainsi produit. Considérant les dispositions de la politique d'achat et d'approvisionnement 2021 de la municipalité, considérant les dispositions relatives au contrat de gré à gré contenues dans le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant que les travaux de disposition du paillis résiduel amassé suite aux opérations de déchiquetage sont estimés à plus de 25 000 $ et moins de 50 001 $, attendu que le service des travaux publics et des infrastructures a procédé à une recherche des prix auprès de fournisseurs potentiels et disponibles à court terme afin de limiter les risques d'incendie, soit les entreprises suivantes. Transport Camille Dion incorporé au montant de 42 100 $ avant taxe. David Rizoul Transport au montant de 48 500 $ avant taxe. Saint-Germain incorporé 30 727 $ avant taxe. Alors, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente, donc d'octroyer un contrat de service au plus bas soumissionnaire conforme, soit Transport Camille Dion Incorporé. C'est une erreur. Ça devrait être Saint-Germain. Non, il n'est pas conforme. Il n'est pas conforme. Okay. C'est la raison pour laquelle. Mais Saint-Germain, il est 30. Ah, c'est Saint-Germain qui est non conforme. Ouais, Saint-Germain est non conforme. Ah, d'accord. Donc, il faut aller à 42. Oui. Ah, bon. Pour un montant donc d'au plus 42 100 $ plus taxes pour transporter et disposer du paillis résiduel de la tempête du 21 mai 2022 selon les indications de la municipalité. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Donc, juste pour préciser aux gens de la salle, qu'est-ce qu'on fait avec ce paillis-là? Parce qu'originalement, on pensait être capable de le donner à un entrepreneur pour faire de la biomasse. Souvent, on peut faire de la biomasse. Il y a des compagnies qui utilisent ça pour faire de la chaleur, et ainsi de suite. Ça a l'air que le marché de biomasse est très mauvais ces temps-ci. Il y a des surplus de biomasse suite aux tempêtes que tout le monde a eues. Donc, ce n'est pas possible d'en disposer dans les entreprises de biomasse.
Les travaux qui sont visés par le contrat, c'est au fait une pelle et des camions en route pour aller le placer sur le centre de ski alpin. Donc, il va aller le dropper un peu partout sur le centre de ski alpin pour, je pense que les autres utilisent ça afin de faire moins de neige. Et remplir des trous dans les centres de ski, juste pour être obligé de faire moins de neige. Fait que, c'est ça qui va se passer avec le pays. Ça va nous permettre d'en disposer. J'aimerais remercier au fait Ski More Ice pour nous avoir passé le terrain. Hein, gratuitement, pendant toute la tempête. Je pense que ça démontre un beau geste pour eux autres. Puis en fin de compte, ils récoltent un peu les derniers bouts de tout ça. Les fruits. Oui, c'est les ça. Fruits. Les fruits. Oui, vous avez rappeler aux membres du conseil qu'il y a environ 60% de cette facture-là qui sera refilée au gouvernement provincial. Effectivement. Quand tous les coûts vont être comptabilisés au niveau de la tempête, on va vous dire publiquement combien ça coûte, mais c'est très cher. C'est ramasser toutes les branches à toutes les portes qu'on a toutes dans la municipalité, même dans les rues privées, ça va coûter au bon mot entre 350 000 $ et 400 000 $ pour la municipalité. Mais c'est quelque chose qui a été nécessaire. Je pense que les citoyens ont apprécié qu'on ait fait ça. Puis, tu sais, il était mal pris. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec tous ces arbres-là? C'est pas tout le monde qui est équipé pour faire ça. Donc, je pense que c'est un service apprécié. Ça a coûté 350 000 après subvention ou avant subvention? Non, avant ça. Avant sur ouais. 1.1, rapport mensuel de la directrice en urbanisme. Il y a des questions concernant le rapport de Mme Durand? Non. Rapport sur les permis et certificats, il y a des questions? Parce qu'on est rendu à 55 maisons neuves dans la municipalité à date. Ça ralentit depuis les deux dernières années. Là. C'est une bonne chose. On n'a pas reçu le rapport de la SPCA ce mois-ci. Donc, on va aller à 841, c'est les peines, est-ce que vous êtes prêts avec l'écran? Oui. 841 qui est. Donc, on va ouvrir la réunion par le PIA. Est-ce que je ne vois pas l'image qu'il y a sur le. Est-ce que vous voyez dans la salle l'image? Okay. Oui. Okay. C'est une rénovation en fait, de l'ancien garage Kirkpatrick. Ça a été recommandé par le conseil, le comité consultatif en urbanisme. Si vous voyez, je pense une amélioration de ce qu'on a présentement. Il y a même une phase 2 qui nous a été présentée, qui est encore plus beau, et ils veulent rentabiliser un peu, je pense, le bâtiment avant. Donc, le CCU recommande le PIA. Donc, qui propose la version? Vous avez bien propos? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 842, modification de la résolution 255-07-22 concernant une demande de PIA au 184 chemin Watchorn. Monsieur Lebel. Oui, dans ce cas-ci, le conseil avait traité d'une demande de PIA pour le 184 chemin Watchorn sur la question du revêtement extérieur. Ça avait été refusé par le conseil à la séance ordinaire de juillet dernier. Cette demande avait trait à l'ajout de revêtements extérieurs faisant suite à des agrandissements et des rénovations dûment approuvées. Le revêtement qui était proposé était du même matériau que celui du reste du bâtiment actuel. Il y a une demande de révision là, qui a été formulée au CCU afin de revoir la recommandation négative initiale au dossier. Et le comité consultatif d'urbanisme a revu cette recommandation et cette fois-ci, recommande l'acceptation de la demande par le conseil municipal et donc de modifier la résolution de juillet dernier afin de permettre aux propriétaires de pouvoir procéder à l'installation du revêtement extérieur qui est identique là, à celui du restant de sa propriété. Parce que normalement, le vinyle n'est pas accepté sur les propriétés, sauf que la maison est toute en vinyle. Donc, c'est un petit peu logique que le garage soit pareil que la maison. Donc, le membre du conseil qui propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 843, PIA 214, chemin Watchorn. Oui.
Alors, 214, chemin Watchorn, dans le demande du propriétaire, évidemment, soumise à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le propriétaire veut procéder à la rénovation extérieure du bâtiment principal. Et le comité consultatif d'urbanisme a étudié la proposition, recommande au conseil municipal de l'accepter. 214, c'est pas le garage de métal, vous avez là? Oui, ça c'est refusé, juste m'assurer qu'on ne m'autorise pas quelque chose qu'on n'est pas supposé. C'est 284, tantôt c'était 184. 184, ça, parce que je connais le 220, c'est la maison de ma mère. Le 214, d'après moi, il n'est pas été approuvé. Je sais que l'idée, M. Lépine, c'est ça. Moi, je me trompe d'adresse. C'est ça, moi, d'après moi, il n'a pas été approuvé. Excusez-nous, on va arriver à la bonne affaire. Garage. Ouais, on refusait. Je fais l'erreur dans la résolution, effectivement. Donc, la recommandation est de ne pas accepter le garage tel que proposé là, au plan. Donc, la recommandation en fait, du CCU, c'est de refuser le plan tel que déposé. Donc, qui propose de refuser la demande de PIQ? Monsieur le maire propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 844, dérogation mineure, 111 places de la petite Suisse. Ça, on avait retiré. J'aimerais ça qu'on aille voir ça ensemble avec le CCU. On va y aller un petit peu plus tard. 861, adoption, règlement 649-2022 sur l'eau potable. Monsieur le président. Oui, donc l'avis de motion a été donné pas le mois dernier, mais au courant du mois de juillet. C'est un règlement qui édicte le cadre légal de la municipalité sur l'eau potable, son prélèvement, sa production, sa distribution et sa consommation. Il s'inscrit dans la foulée de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique environnementale et de transition de la municipalité et éventuellement des priorités d'action qui vont en découler. Il modernise nos règles applicables antérieurement et répond aux exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec et son règlement sur la qualité de l'eau potable. On comprend que les dispositions sur deux règlements qui étaient applicables jusqu'à présent avaient été adoptées bien avant cette stratégie et les modifications les plus récentes du règlement provincial. Il y a évidemment édiction de normes de protection des sources d'eau potable de la municipalité. On confirme l'engagement de la municipalité à doter tous les immeubles non résidentiels du territoire de compteurs d'eau d'ici le 1er septembre 2022. Ça, c'était une obligation en vertu de la loi. Et met à jour le cadre administratif des aqueducs privés, précise des conditions d'alimentation en eau potable. En fait, ça s'inscrit dans la modernisation des dispositions antérieures. L'avis de motion avait été donné par Mme Patnaud. Est-ce que vous proposez la... Je propose. Mme Patnaud propose le règlement. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Il est très long. Oui, c'est ça. Ah, c'est un petit peu de temps la prochaine résolution. On en vient à quelque chose qui, je pense, qui est très intéressant pour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on parle de notre projet de révision des règlements d'urbanisme. Ça fait des mois et des mois, même plusieurs années. Et là, on arrive en bout de course pour l'adoption.
aperçoit de ces règlements-là. L'étape qu'on va faire ce soir, ça va être les avis de motion et dépôt de projet de règlement. Vous allez voir, il y en a 8, si je ne me trompe pas, adoption. Et puis, les prochaines étapes, suite à les adoptions de projets de règlement ce soir, ça va être le 28 septembre. On vous invite tous à une présentation publique faite par notre urbaniste en chef, Jennifer Durand, qui va vous expliquer les tenants et aboutissants de tous nos règlements, que ce soit de lotissement, de construction, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on propose. Et suite à ça, vous allez avoir 3 semaines pour les consulter, avec regarder ça comme il faut, et nous poser des questions, faire des recommandations. On a déjà reçu plusieurs mémoires, puis on essaie d'intégrer les choses qu'on pensait qui étaient valables dans les règlements déjà. Mais la date de la consultation publique officielle, c'est le 18 octobre. Tout ça va être mis sur le site web, Facebook. On va essayer de publiciser ça le plus possible pour ceux que ça intéresse. On arrive à la fin avec quelque chose de très intéressant. Vous allez voir quand que le règlement va vous être présenté, on va avoir quelque chose de moderne, quelque chose qui reflète ce qu'on veut à More Nights, on pense. Et s'il y a des choses à modifier ou à rajouter, bien, on est là pour vous écouter le 18 octobre. On espère, si la MRC fait son travail rapidement, que ces règlements-là vont être en vigueur au début de 2023. Je pense pas que janvier, c'est réaliste, peut-être février ou mars. Là. Et puis, on va pouvoir travailler avec ces règlements. Donc, 8 avis de motion et projets de règlement que vous allez voir, un à la suite de l'autre. Juste vous dire, même si on adopte des projets de règlement, c'est pas tout canné, là. C'est juste, ça fait partie de la procédure habituelle qu'il faut faire pour l'adoption de tous ces règlements. Donc, si on commence, on va y aller avec le 862, avis de motion et dépôt de projet, règlement 641-2022 sur le plan d'urbanisme. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Saunier donne l'avis de motion. On commence juste avec les avis de motion. 863, avis de motion et dépôt de projet, règlement 642-2022 sur le zonage. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame McLeod? On va y aller à la tour de l'autre. 864, avis de motion et dépôt de projet, règlement 643-2022 concernant le lotissement. Qui donne l'avis de motion? Oui, vous avez bien donné l'avis de motion, parfait. 865, avis de motion et dépôt de projet, règlement sur la construction. Madame Cossette? 866, avis de motion et dépôt de projet, règlement sur les permis et certificats. Madame Patron? Je donne l'avis de motion. Merci. Bonsoir, on revient. 867, avis de motion et dépôt de projet, règlement sur les dérogations bilan. Monsieur Saunier? Je le donne. Merci. 868, avis de motion et dépôt de projet, règlement 647-22 sur les PIIA. Madame Patron? Oui. 869, avis de motion et dépôt de projet, règlement 648-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble communément appelé PPC. Merci. 8610, adoption de projet, règlement 641 sur le plan d'urbanisme. Là, on recommence, hein, M. Lévin, tu viens ça? Oui. Donc, monsieur, je vais essayer de faire de suivre le même ordre pour que ça marche. Là. Monsieur Saunier, vous allez vous. Donc, vous n'avez pas donné le deuxième. Là. Non, c'est lui, hein. C'est à moi. C'est proposé par Mme Cossette. Mais il faut que ça soit la personne qui a donné l'avis de motion. C'est moi qui ai donné. J'approuve l'adoption du projet. OK. Gilles propose l'adoption du premier projet de règlement 541. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 8611, adoption du premier projet de règlement 642-22 sur le zonage. Oui, Madame ça, c'est moi. McLeod, tout le monde est d'accord? Oui. 8612, adoption du premier projet, règlement 643 concernant le lotissement. Monsieur Lemire? Oui. Vous êtes tout le monde d'accord? Oui. 8613, adoption du premier projet, règlement 644-2022 sur la construction. Madame Patton? Je ne sais pas. Merci. Tout le monde est d'accord?
8614, adoption du premier projet, règlement 645 sur les permis et certificats. Madame Cossette? Oui. Vous êtes d'accord? D'accord. 8615, adoption du premier projet, règlement 646-2022 sur les dérogations mineures. Madame McLeod? Oui. Proposé? Vous êtes d'accord? D'accord. Adoption du premier projet, règlement 646. Mais bien fait, et vous allez voir le résultat de nos travaux. Très bien. Monsieur le maire, juste M. Lépine, est-ce que les documents seront sur le site Internet des règlements ce soir ou demain? Oui, ce soir. Dans les prochaines minutes. Dans les prochaines minutes. Donc, juste pour informer les gens qu'à partir de ce soir. Si vous êtes curieux, les documents sont déjà. Oui. OK. Tout proche, à la fin de la réunion. on va continuer dans les abrogations. Donc, 8, 6, 18, abrogation, procédure établissant de nouvelles servitudes sur les propriétés privées. Oui, alors, encore une fois, une vieille procédure caduque qui ne reflète plus la nouvelle dynamique de collaboration des services municipaux qui sont concernés. Alors, proposition de l'abroger. Parfait. Madame Cossette propose. On est d'accord. 8619, abrogation, procédure concernant les demandes d'empiètement sur les propriétés municipales. Je présume que c'est la même. Même raison, même motif, même recommandation. Qui propose l'abrogation? Madame Patneau vous propose, tout le monde est d'accord. 8620, contribution pour fin de parc, montée et utilise, l'eau 6 8758. Monsieur Lepin. Oui, alors, le service urbaniste et l'environnement a reçu une demande de lotissement. Conforme au, et complète et conforme au règlement visant la création de 3 lots non desservis d'une superficie de 8000 m² et plus, à même le lot 6 8758. Le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil par sa résolution 2707-22 d'approuver le projet de lotissement tel que montré au plan préparé par l'arpenteur géomètre Dominique Fecteau, dossier numéro 21-289-77-78. Il restait à statuer sur la contribution pour fin PAC. Ce qui a été proposé par la promotrice, c'est de céder, en fait, de fournir une contribution pour fin PAC qui serait des servitudes réelles sur les sentiers et les quelques sentiers existants là, qui traversent, en fait, qui font partie du réseau de la municipalité et qui traversent ce lot. Alors, c'est l'avantage, évidemment, pour la municipalité, c'est de les pérenniser. Exactement. On parle de la propriété qui. Les sentiers sont connectés au Viking, la propriété de Marie-Sivois. Donc, elle va faire 3 maisons sur sa propriété et elle veut préserver tous les sentiers qui sont là. Donc, on a pris un 10% en servitude pour protéger les sentiers. Donc, qui propose? Madame Patneau propose. On est d'accord? Oui. Merci. 9 points. Vous avez pris connaissance de rapport de Mme Mailly. Est-ce des questions? Une question. 9.3.1, contrat service professionnel pour la réalisation du réaménagement de la bibliothèque, des places et devis et soutien technique. Monsieur le président. Donc, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a procédé au cours des derniers mois à la validation des besoins de la municipalité pour divers aménagements à la bibliothèque actuelle dans l'attente d'un projet de nouvelle bibliothèque conformément à la politique d'achat. Le conseil municipal a eu l'occasion d'examiner les propositions qui avaient été déposées par Z Architectes, des propositions de réaménagement. Alors, la prochaine étape, c'est de passer à l'action et donc.
On prend en considération, évidemment, la réglementation applicable en matière de gestion contractuelle, le PTI qui prévoit éventuellement un projet de nouvelle bibliothèque et des travaux de rénovation à la bibliothèque actuelle entre-temps. On prend en considération également qu'il y a un programme de subvention aux municipalités, le programme PRABAM, qui prévoit la possibilité pour le gouvernement provincial d'octroyer des subventions pour la rénovation, entre autres, de bâtiments municipaux, dont des bibliothèques. Le conseil municipal a également, dans cette foulée, créé une réserve financière pour la bibliothèque. Et jusqu'à ce jour, une somme de 300 000 $ y a été affectée. Le service des loisirs, la culture et la vie communautaire a également procédé à des vérifications auprès de professionnels qualifiés pour assister la municipalité dans la réalisation du projet de réaménagement, plus particulièrement le soutien technique et la préparation des plans et devis. A demandé à la firme Z Architect, qui avait déjà travaillé sur la planification préliminaire, de poursuivre le travail amorcé. Et Z Architect donc est tout à fait disposé pour un montant de 23 965 $ plus taxes d'aller de l'avant donc avec un contrat pour la préparation des plans et devis, le soutien technique pour le réaménagement de la bibliothèque actuelle. Merci beaucoup. Donc qui propose le contrat à Z Architect? Oh. On a travaillé ensemble. Oh, tout le monde. On est tous d'accord. C'est Louis qui est bénévole. Tout le monde est d'accord. Donc, la bibliothèque va avoir on espère d'ici une année ou deux, parce que le temps que les plans se font, un beau travail de réaménagement à l'intérieur de la bibliothèque pour la rendre plus moderne, plus fonctionnelle. Et déjà, on voit une grosse amélioration avec notre bibliothécaire professionnel qu'on a engagé à la bibliothèque, et je crois qu'il y a une résolution un petit peu plus loin pour engager une préposée. Fait qu'on va avoir les heures d'ouverture qui vont être encore plus longues et de plus en plus de monde pour venir à la bibliothèque. Donc, merci beaucoup. 951, fermeture d'une partie du chemin du village le 31 octobre 2022. Vous imaginez, vous savez pourquoi. Pour l'Halloween, donc on se règle, la loi sur la voirie prévoit que la gestion de la route 329 est effectuée par le ministère des Transports du Québec de temps en temps. Considérant que l'article 44 du règlement sur la circulation stationnement, la paix et l'ordre prescrit les exceptions à la règle générale prévue aux articles 39, 40 et 42, interdisant tout bruit nuisible à la qualité de vie et à la jouissance paisible des biens et des propriétés, considérant que les exceptions consistent entre autres de permettre le déroulement de certaines activités entre 7 et 19 heures du lundi au vendredi et de 8 heures à 18 heures les samedis et dimanches. Concernant la fête de l'Halloween qui se déroulera le 31 octobre prochain, attendu que l'annexe Y du règlement si haut mentionné, prévoit la possibilité de déroger à la règle générale sur autorisation du Conseil. Il est proposé d'autoriser les dérogations à l'article 44 pour permettre la fête de l'Halloween lundi le 31 octobre jusqu'à 22 heures. Pour ceux qui viennent à la fête de l'Halloween avec les enfants, c'est super intéressant. Ils font un circuit sur la rue du village, ils reviennent par le corridor Rubik et notre service de loisirs travaille très très fort pour que ce soit chaque année mieux en mieux. J'espère juste que ça ne sera pas plus vieux comme l'année passée, hein, parce qu'il mouillait pas mal. Ceux qui restent loin un petit peu dans le bois comme moi, je vous invite à venir avec vos bonbons, les donner aux enfants sur la rue principale. C'est ça que la majorité des gens fait, parce qu'ils ne viennent pas dans le bois. Fait que, si vous voulez donner vos bonbons, c'est mieux sur la rue principale ou dans le corridor. Je vous invite tout le monde à venir voir ça, c'est super là. Donc, qui propose, Mme McLeod propose la fermeture de la rue. 952, motion de félicitations, Festival Superfolk 2022. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont été au Festival Superfolk 2022. Ça a été un franc succès. Il a fait chaud, il a fait beau. Les groupes étaient bons. Vraiment, c'était un succès sur toute la ligne. Donc, j'aimerais féliciter M. Yann Kelly, puis j'aimerais ça que ce soit unanime, membre du conseil. Et tous les organisateurs du Festival Superfolk 2022, ici, chez nous, les services et loisirs participent. Le Sommet Mornet qui passe son stationnement, puis c'est vraiment un succès qui va être de mieux en mieux chaque année, je crois. Donc, unanime? Exactement. 961, embauche de Mme Elisabeth Vanier à titre de commis au comptoir de la bibliothèque. Donc, justement, je parlais d'une embauche à la bibliothèque pour aider les bénévoles. Attendu que la responsable de la bibliothèque a pris sa retraite à la fin de l'année 2021.
tandis que certains changements ont été effectués à l'organisation des ressources humaines dans la bibliothèque, dont l'embauche d'une coordonnatrice à temps plein, ainsi qu'une employée technicienne à temps partiel. Considérant que ces changements ont fait l'objet de dispositions dans le budget de fonctionnement 2022 de la municipalité et que, en conséquence, les crédits budgétaires sont disponibles. Attendu qu'un processus de sélection a été lancé cet été afin de combler le poste, attendu que les candidatures reçues ont été analysées et traitées par un comité de sélection et que les recommandations en est issue, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Élisabeth Vanier à titre de commis au comptoir de la bibliothèque, poste permanent à temps partiel suivant les paramètres de la politique sur les conditions de travail des employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Qui propose? M. Lemay, ça va aussi, M. Lemay? Oui. M. Lemay, tout le monde est d'accord? Oui. 971, motion de remerciement, collecte de sang du 11 août 2022. Donc, attendu que la collecte de sang s'est tenue le 11 août dernier au Chalet Bellevue, attendu que cette collecte a rapporté un vif succès parce que 67 donneurs ont donné du sang sur un objectif de 60, donc on a dépassé notre objectif. On propose de remercier les donneurs de sang, les bénévoles et tous les partenaires impliqués pour cette magnifique réalisation ayant permis 220 produits pouvant être transfusés pour les patients dans le besoin. Encore une fois, j'aimerais ça que ça soit unanime. Okay. Félicitations. 972. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le bureau de poste n'est pas ouvert autant qu'il était avant. Hein? Oui. On semble avoir des problèmes de ressources humaines comme partout ailleurs. Nous, on juge que c'est un service essentiel à la municipalité de Morlaix et on va passer une résolution ce soir qui va être envoyée à Poste Canada et les députés fédéraux pour leur demander de maintenir les heures d'ouverture au bureau de poste comme ils étaient avant. C'est très important pour beaucoup de gens dans la municipalité qu'il y ait accès au bureau de poste et on pense que c'est important de leur faire savoir qu'on n'est pas content avec la diminution de service. Donc, attendu que Poste Canada a modifié récemment les heures d'ouverture du bureau de New Orleans en réduisant celle-ci de manière significative et substantielle, considérant que la municipalité n'a pas été avisée préalablement de cette décision, je ne pense pas qu'il ferait de toute façon, considérant le caractère essentiel de ce service public dans la municipalité, il est proposé de réclamer à Poste Canada le rétablissement des heures d'ouverture habituelles et en vigueur depuis plusieurs années. Encore une fois, membre du conseil, j'aimerais que ce soit une année. Merci beaucoup. Peut-être juste une dernière chose, si vous avez remarqué que M. McLaurin n'est pas ici ce soir, il y a des petits ennuis de santé, donc si vous avez une dispensée pour lui, il faut qu'il y ait à l'hôpital trois fois par semaine ces temps-ci. Je suis sûr qu'il va revenir en force le temps de son rétablissement. Et il est toujours là si vous voulez aller voir chez eux, il aime ça voir le monde. Donc, si vous voulez lui dire un petit bonjour, je pense que ça lui ferait plaisir. Oui, M. Lucas. Cette vérification faite pendant qu'on a complété la séance du conseil, donc je veux simplement vous confirmer qu'effectivement, dans le dossier du 214 chemin Moinchon, la recommandation du CCU est effectivement négative. Parfait. Donc, la résolution qu'on a passée, c'est parfait. Donc, dans le conseil, moi, je n'avais pas grand-chose d'autre. Il y a Théâtre Morlaix qui s'en vient bientôt. L'Halloween, les Théâtre Morlaix, l'Halloween et l'élection. N'oubliez pas d'aller voter. 3 octobre. Et la reine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est décédée. Donc, c'est un congé fédéral, mais pas un congé au niveau de la municipalité provinciale. Et donc, ceux qui vont à la Légion, je suis convaincu qu'on va honorer le souvenir de la reine à plusieurs reprises dans les années qui viennent. Donc, moi, je n'avais pas d'autres choses. Donc, conseil, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Dans ce cas-là, on va aller dans les questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Jackson? Bonsoir. Bonsoir. Merci tout le monde. Just a couple of comments. First of all, I'd like to really thank you for your involvement in Super Bowl. It was fantastic. And I'm glad to hear that's going on. And just as a note, as the Vice President of the Historical Association, film is coming out on the history of music beginning of December. Okay. So it's time to push that more when it gets just keep that. I'd like to thank the work that's being done on noise reduction. We do not live that far apart. And I've noticed, because I'm outside quite a bit, a big reduction in noise on the highways. It's not perfect, but it has been noticeable.
So thank you for the efforts of reducing the noise. Well, we're trying. Pour la réduction de bruit, on a fait un premier essai avec une campagne de sensibilisation. Nos enceintes ne sont pas parfaites. Hein? On a réalisé au niveau du conseil, le lettrage est un petit peu petit. Quand on est arrêté à la lumière, on voit un peu le punch qu'on essaie de dire aux gens qu'on aimerait ça vivre en paix, donc essayez de ne pas rincer vos moteurs. Les sonomètres sont installés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un sonomètre à l'entrée du village ici et un sonomètre sur la route 364 en partant de la lumière. Si vous avez une auto normale, il n'y en aura jamais, vous n'allez jamais la remarquer. Si vous avez un véhicule bruyant ou un camion, c'est une oreille avec une barre dedans qui écrit « véhicule bruyant ». Notre objectif, c'est d'essayer de sensibiliser les gens à ne pas rincer le moteur pour qu'on ait un peu de quiétude. Comme M. Jackson a dit, c'est pas parfait, on va continuer à essayer de faire les deux, éducation et répression. Cet été, le service de la Sûreté du Québec a fait 3 opérations chez nous avec au-dessus de 100 constats d'infraction qui ont été distribués aux gens qui faisaient du bruit ou qui faisaient de la vitesse dans notre municipalité. Donc, je vois une amélioration avec la Sûreté du Québec, avec le nouveau chef, M. Boucher, là, il fait une bonne job à date. Donc, on va continuer à lui pousser pour qu'il y ait de la présence policière. Et nous, on va continuer avec nos objectifs de sensibiliser les gens à faire moins de bruit. En espérant, avec de plus en plus de véhicules électriques, ça va se passer naturellement. On verra. Excellent. Comme membre de la CCE, j'avais le privilège de voir la présentation de notre règlement qui va venir, et je recommande fortement de mes collègues ou mes résidents que le 28 septembre et le 17 octobre de participer dans la présentation in English and in French, and I think it's extremely well done. I have to compliment the work that has been done to date and welcome comments and to the changes that are coming. The storm. I have to thank you for doing the composting. Was there any consideration done to turn the trees into lumber? No, because it had to be picked up quickly, and I don't know if anybody with the volume of trees could have done something like that. It's just one of the things that I congratulate you on turning into compost as opposed to burning. But there was a lot of logs there, and I was just wondering if they could have been turned into lumber. It would be something that I would be happy to share with that many trees down that possibly that could have been turned into lumber. Maybe. Or firewood. Or maybe a softwood moose. The last thing I would like to say, and I'd like to compliment you on, is the pickleball. You've done a great job in recycling the old rink and making two things into one. But I would know that you're a pickleball player yourself. Mayor Watchman. Brand new. Welcome to the club. And it's been a great social gathering. I would like to bring to your attention, though, that as of last week, a tremendous number of fine fishers have cracked. In the bait, And so I would highly recommend a sealant of some sort between now before it freezes, knowing the disaster that's happened in Saint-Sauveur. This is not of the same proportion whatsoever, but to seal it before it becomes a skating rink. What happened in Saint-Sauveur? It's huge. What they did is they tried to pour it very quickly. They tried to pour it in late November. It froze that night, okay, and it cracked, and to the point that it hasn't been usable, and so the cement guy didn't get paid, and so so it's back and forth, and it's a disaster. This is not a disaster by any means, but knowing that's going to be turned into a skating rink, the water getting in and the melt freeze. But I think, James, that the cracks are only in the paint. I don't think it's the asphalt. Could very well be. I agree. We have to do something so the paint doesn't all lift off. Exactly. But we will definitely do something. Excellent. Oui, c'est pour ceux qui font du pickleball, si vous avez remarqué les fissures dans la peinture, c'est une peinture au latex qui est comme surface du terrain de pickleball. Là, il y a des fissures qui apparaissent dans la peinture au latex. Je présume que c'est le retrait ou à cause de la chaleur d'été ou je ne sais pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux fournisseurs de trouver un moyen de sceller ça pour éviter que l'eau de la,
la glace passe en dessous puis enlève toute la peinture au complet avant l'été prochain qu'on soit obligé de recommencer. Donc, effectivement, on avait noté ça puis on va faire quelque chose avant l'été prochain. Je pense que PC Court est supposé de revenir pour faire des travaux. Également, pour ceux qui jouent au tennis, là, je sais qu'il y a plein de monde qui trouve qu'on a manqué notre shot parce qu'il n'y a pas de clôture en arrière du terrain de tennis. Il faut corroyer les balles dans l'autre bout de la patinoire. La clôture est commandée. Le net, en fait, est commandé, mais avec les backlogs, on n'a pas réussi à l'avoir cet été. Aussi, qu'on va l'avoir, on va l'installer. Mais il y a beaucoup de monde qui joue au tennis aussi, puis on comprend bien qu'il y a un côté qui est collé sur la patinoire, fait que les balles arrêtent, mais l'autre bord, il faut courir jusqu'à l'autre bord de la patinoire, ce qui n'est pas intéressant. Mais on va régler ça avec un net, là. Puis il y a des ajustements à faire sur la surface aussi, là, je pense, pour améliorer ça. Mais c'est le premier essai. Écoute, on n'avait jamais de terrain de tennis avant. On va essayer d'améliorer. Very good. Merci. Merci à vous, Monsieur Jackson, pour vos commentaires. Jackson, c'est beaucoup apprécié. Ben, juste une dernière chose, c'est que Monsieur Jackson disait, que j'ai oublié de mentionner, lors de la présentation des règlements d'urbanisme le 28, la première heure, la première présentation va être en français et la deuxième en anglais. Donc là, je vais le dire pour ceux qui sont sur Facebook en anglais. Là, when we do the presentation of all the bylaws on the 28th of September, there will be one presentation starting at 7 o'clock in French and at 8:30 starting in English. So if anybody wants to see the bylaws in English, come at 8:30 on the 28th. Pour ceux qui veulent les voir en français, c'est à 7h le 28 septembre pour la présentation sur les règles. Merci, madame. Madame? Oui, bonjour. En fait, je suis hautement intéressée par la mobilité douce. Juste vous présenter, s'il vous plaît. Audrey Smargelessi. En fait, il y a eu des routes qui ont été refaites récemment. Je trouve que c'est une opportunité excellente de faire du marquage pour donner de la place aux piétons, aux vélos. Et je me questionne sur la rue à côté de l'école, s'il y aura du marquage pour la mobilité douce. Et je me questionne aussi sur la rue Bélisle. C'est une question que je vous ai déjà posée. Oui. Oui. Puis j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui va être considéré. La rue Campbell, il y a déjà un trottoir sur le côté de l'école. Plus loin que ça, c'est vraiment pas large entre les deux fossés. Je ne sais pas si c'est assez de place. On n'avait pas demandé aux contracteurs de faire ça. La rue Bélisle, on a demandé à nos services de travaux publics de faire le plus large possible. Donc, si on est capable de faire des accotements, d'aller un truc de large, oui, on va le faire. Vous savez, même juste de marquer pour montrer que les vélos peuvent passer, des fois, ça sensibilise les automobilistes à laisser de la place pour le piéton. L'autre commentaire que j'aimerais faire, c'est en lien avec les lampadaires dont vous avez parlé. En fait, j'aimerais m'assurer que vous allez, si vous remplacez les lumières, vous assurez que le rayonnement ne va pas vers le ciel, mais qu'il est bien dirigé uniquement vers le sol. Les lampadaires qu'on change, c'est les coupes là, ceux qui sont attachés à les poteaux électriques. Toute la lumière belle est toujours dirigée vers le haut. On a quelques-uns qui sont déjà comme ça. Le point que j'aimerais juste porter à votre attention, c'est que je me questionne sur certains containers le long de la rivière qui pourraient, tout près de la municipalité, être tellement proches et potentiellement peut-être être source. En fait, je ne voudrais pas m'avancer, mais j'aimerais peut-être que vous regardiez ou que vous portiez attention à des containers qui sont localisés très, 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 très proche de la rive, tout près de la municipalité. En face de l'hôtel de ville, c'est ça que vous voulez dire? OK. Est-ce que vous avez été voir l'urbaniste pour... Non, en fait, c'est juste parce que j'avais une intervention depuis deux, puis trois. Il n'y a pas de problème, on va s'occuper de ça. Oui, vous avez fait. Simplement de mentionner là-dessus que le service d'urbanisme est déjà sur le site. OK, le service d'urbanisme était au courant. Enfin, juste mentionner quelque chose au niveau des cyclistes. On a eu des demandes également pour le rang 2. Alors, on sait que le rang 2, il n'est pas large. Il y a beaucoup de cyclistes qui essaient de passer entre Saint-Adèle et Mournaise par le rang 2 parce qu'ils ne veulent pas passer par le 64 des grandes routes. On va installer des enseignes qui indiquent partage de rue entre vélo et auto. Et puis, on va demander à la ville de Saint-Adèle, parce que la grande partie du rang 2 appartient à la ville de Saint-Adèle. Nous autres, on a un petit bout. Mais on va leur demander un partenariat. Hein? Et je pense que c'est plus logique de le faire ensemble, d'indiquer qu'il y a beaucoup de vélos sur cette route-là, puis il y a un petit peu de courtoisie envers les vélos. Le réflexe lors de la réfaction d'une route, de toujours réfléchir à la place. Large, plus bien d'accord avec vous. Pour inclure le rang 2 dans les demandes. Bonsoir, M. Maire, et membres du conseil, M. Lepin et Mme Mackinson, et vous aussi. Nicolas Fiorelli.
Juste une chose, ben, deux affaires en réalité. Pour les nuisances, par exemple, construction, soit une rénovation ou bien une nouvelle construction, le permis est donné, puis si je comprends bien, c'est, on a un an pour compléter les travaux. Exact. Et après ça, on peut faire un renouvellement. Le règlement actuel permet le renouvellement indéfiniment, ce qui est ridicule. Et dans notre nouveau règlement, que vous allez voir le mois prochain, on permet un an avec un renouvellement seulement de 6 mois pour se suivre. Donc, il faut que les travaux soient faits à l'intérieur de 10 mois. Et c'est un peu ça aussi là, que j'amène ce point-là, parce que vraiment, là, on est dans la plupart de nous qui sommes dans la campagne, c'est-à-dire dans le grand boulot ou sur le bord d'un lac, dans le lac à côté. Parce que là, quand on fait des rénovations ou des constructions, puis ça prend plusieurs mois à l'extérieur, ça défait vraiment l'environnement. C'est tellement chaotique et bruyant que ça enlève vraiment le plaisir d'être chez nous, franchement. Alors, j'aimerais beaucoup que vous donniez une deuxième, peut-être, regard sur le temps qu'on donne pour être capable de compléter au moins l'extérieur, parce que c'est vraiment, ça commence à même le bâtiment complet. Ça, c'est une chose. Puis l'autre affaire, c'est que dernièrement, on a eu un voisin qui est déménagé. Et puis, ce monsieur-là semble avoir des difficultés de se comporter en adulte. Et je vous explique, il y a des construction matériaux de construction qui a décidé de, au lieu de l'emmener ou de l'emmener, il a mis ça sur le terrain du voisin. Le terrain du voisin là, à côté de chez nous, en face de où ce monsieur-là était. Et puis, j'ai contacté notre département d'environnement. Malheureusement, on me dit qu'on ne peut rien faire. Non, c'est pas tout à fait vrai. Ben, c'est parce que c'est ça que c'est ça. Parce que là c'est comme. Premièrement, c'est pas acceptable. Et deuxièmement, on devrait avoir, je crois qu'on a un recours au point de vue de la municipalité envers quelqu'un qui. Est-ce que votre voisin avait déménagé n'était pas propriétaire? Oui, la personne qui a déménagé n'est pas propriétaire. Il est encore propriétaire? Non. Il n'est plus. Et c'est de nouveaux propriétaires. OK. Ils ne sont vraiment pas contents de l'ancien propriétaire parce qu'il était censé de tout nettoyer, tout enlever de la maison, absolument tout. Mais ça, c'est autre chose. Ça regarde la personne qui a acheté. Mais moi, je vous parle de quelqu'un qui a pris c'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Non. Ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez constaté que c'est vraiment lui qui a fait ça, oui. Bon, nous, on va vous demander, parce que ce n'est pas nous autres qui l'a constaté, on va vous demander un petit papier disant que moi, Nick Curley, j'ai remarqué que tel propriétaire, telle date, avait déposé des matières à votre refus. Donc, on va y avoir un constat d'infraction, puis c'est pas vrai qu'on va laisser ça tout l'hiver dans la neige, tout ça, la ville éventuellement va le ramasser. Tous les coûts vont être attribués à ce monsieur-là. Est-ce qu'on va gagner ou non? Pas 100% sûr, mais on va s'essayer. T'sais, on ne laissera pas les gens faire ce qu'ils veulent avec des matériaux de construction. Je suis allé voir les membres de sa famille parce qu'il y en a qui demeurent quand même dans le secteur. D'accord. Et puis, ben oui, c'est ça, ben, ça sort vieux, et ainsi de suite. Ça a l'air que monsieur est tellement pas du monde que même sa famille veut. Pouvez-vous juste donner l'adresse à M. Lépine avant la fin de la soirée? Certainement. Merci. Ça va s'occuper de ça. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci. Vas-y, M. Côté. Sur le côté, donc, je suis avec monsieur. Concernant ce règlement-là,
un véhicule qui ne fonctionne pas depuis 2 ans, qui est dans le stationnement considéré comme un... Est-ce qu'il est plaqué ou non? S'il est plaqué, ah, ça c'est une bonne question. Hein. Okay. S'il est plaqué, on s'il est plaqué. S'il n'est pas plaqué. S'il n'est pas plaqué, il n'est pas en train de rouiller, c'est pas une nuisance. S'il va sur la route, il n'est pas plaqué, il est dans le chemin. Wow. Est-ce qu'il peut entreposer sa voiture pendant 2 ans sans bouger dans un stationnement de maison? Je ne sais pas pourquoi il ne pourrait pas. Il n'y a okay. pas de règlement qui l'interdit. C'est une curiosité. Pour vérifier s'il y a ses pneus d'hiver. Pour continuer, pour continuer sur la question de monsieur, Jean, un bateau, est-ce qu'on a le droit d'en s'écraîner ça? Oui. Ah, vous, je sais le bateau pour parler. Oui, oui, il est là depuis 3 ans, 4 ans. Quelqu'un a oublié son bateau. Puis... Un camper aussi. Camper, c'est plus loin. Ça. Mais le bateau, ah, il est quand même assez évident. Dans un premier temps, je voudrais, au nom de l'Association des auteurs des Laurentides, je voudrais remercier la ville de Morinette et ses employés pour le soutien lors de la foire des bouquinistes qui a eu lieu les 12, 13, 14 au Chalet Bellevue. Ça a été un grand succès. Ah, super. Et c'est, disons qu'on ne se gêne pas pour dire qu'on a établi des standards pour les autres activités qu'on va faire. Excellent. L'autre point... Là, environ 2 ans, j'avais commencé à demander d'avoir les permis de construction en ligne. Ouais. On m'a annoncé que ça s'en venait et au mois de mai, au mois de juin, on a dit « les permis sont maintenant en ligne ouais. ». Je ne savais pas que c'était un « one-shot deal ouais, », que ça a été mis, mis que ça n'a jamais été mis à jour depuis. Ah oui, je vois, c'est au courant. OK, maintenant, est-ce que ça soit mis à jour? Normalement, on devrait les mettre en même temps que le conseil. Ouais. Bon, ben merci. C'est bon. D'autres questions? Alors, on reste encore après la réunion. Si vous avez des choses personnelles, vous n'avez pas du temps public, ben moi, je reste un bon bout de temps. Monsieur Lépine, monsieur Lemire, j'ai l'impression que les noms, qu'est-ce que j'ai, là? Ça, j'ai pas vu. Bonne soirée, tout le monde. Merci d'être venu à la réunion. Merci.